Bonjour à tous, Yolana Tatao. Aujourd'hui, je me refais une petite séance unboxing. Alors celui-là, ça faisait longtemps que je l'attendais, hein, donc je vais tout d'abord remercier Airsoft Entrepôt pour avoir fait ce qu'ils ont fait pour que je puisse vous présenter le petit colis, hein, c'est la bébête qui est à l'intérieur. Donc, commandé samedi 14, reçu, on est le mercredi 16 décembre 2019. Bon, il y a quelques jours de variation parce que forcément vous commandez un samedi soir, voire dimanche matin, la commande ne sera pas expédiée avant lundi. Sachant que lundi, c'est normal, tout le monde commence le travail. Vous n'allez pas être une priorité pour tout le monde. Le colis, le temps qu'il soit traité et expédié dans le centre de traitement, à savoir là c'était Chronopost, c'est pas celui que je préfère. Il a dû se passer une journée aussi. Mais la Chronopost a pour une fois mis les 24 heures affichées. Donc je reçois le mercredi 16. Bon, trêve de blabla. Là, ça me démange. Il faut vraiment que je coupe. Il faut que je coupe. Allez. Donc, 10 euros de frais de port pour une grosse bébête comme ça. Forcément. Le boxing va pas être évident, je vous le dis tout de suite. J'aimerais garder la boîte opérationnelle. J'ai deux trois trucs à refourguer. Donc si je pouvais utiliser cette boîte, hein, puis sinon si je peux pas, tant pis, hein, parce que là c'est en train déjà de me démanger, de l'arracher à grands coups de couteau, mon couteau de rang. Ça vient tout seul après. Alors, bien sûr, packaging de chez Airsoft Entrepôt, il n'y a rien à dire. Hein. C'est très bien foutu. Ce sont toujours des envois bien soignés. J'ai pour l'instant jamais eu de soucis avec Airsoft Entrepôt. On va dire quand même que pour beaucoup d'entre vous, ça reste un des shops les plus connus. Je suis pas en train de leur sucer la couenne, hein, c'est une vérité. Hop là! Bon, pour ceux qui ont bien suivi, ils savent que dans le week-end du 14 au 15 décembre, Airsoft Entrepôt a fait un gros partenariat, donc ils savent sûrement de quoi je suis en train de parler. Hop là! J'essaie de faire durer le suspense jusqu'au bout. Ah oui, il y avait 2-3 autres articles avec. À savoir un joint Maple Leaf Hotshot de 50 degrés. Donc ceux-là, c'est pour les canons Maple Leaf type GBB, mais qui utilisent un autre type de joint que les VSR, les types VSR. Ce sera compatible avec un bloc Hop-Up, dont je parlerai juste après. Et un joint VSR10, celui-ci, Modify Sora, donc pour les patchs Air-Hop. Donc il n'y a pas de profil à l'intérieur. Ça, c'est pour mon custom MK23. Alors, maintenant. C'est comme un accouchement. Et voilà. Donc, oui, tout à fait. Ils ont rentré du GHK dans leur catalogue. Donc, de la plateforme M4, plateforme AK, forcément. Plateforme SIG 553. Du Ster Hog aussi, qui est leur dernier produit avec le GHK, pardon, avec le SIG, pardon, et le merde, comment ça s'appelle? Ce petit PDW avec des chargeurs M4 dont j'ai oublié le nom, mais tout le monde s'en rappellera à ma place. Hein. Allez, oh là là, que c'est beau! Je crois qu'il y a. Alors, GHK, son distributeur officiel en Asie, c'est Samoon.
J'ai commandé pas mal de pièces chez eux. Ça arrive toujours dans les temps, toujours bien emballé avec des petits goodies en plus. Et là, c'est la première fois que je commande une réplique entière, pas chez eux, mais ça a dû passer par leurs ateliers. Bon, c'est du polystyrène, hein. Je vais essayer de pas trop montrer ma tranche. Hop là. En tout cas, c'est super bien calé. Là-dessus, vous n'avez pas trop à vous en faire. Si votre centre de poste le plus proche ne travaille pas comme des manches, ça arrivera en bon état. Oh. Et oui, donc, pour ceux qui connaissent déjà la combi, vous aurez deviné. Il s'agit du GHK 105, donc une version carabine de la AK-74, donc avec un canon plus court. Donc bon, vous voyez que malheureusement le polystyrène ça fait des traces. Ça. Alors c'est la première fois que je reçois une réplique entière autre, hein, comme je disais, les sites chinois. Alors il est fourni avec son chargeur, d'ailleurs je vous conseille, pardon, de faire un petit nettoyage complet de la réplique. Donc vous pouvez la trouver sur le site d'Airsoft Entrepôt pour 479 €. Moi je l'ai eu à 455 € avec mes réductions au compte client. Vous la trouverez également sur d'autres sites. OP Store, c'était celui qui l'a proposé au prix le plus bas. Malheureusement, ils l'ont plus au stock. Je l'ai raté à 2 jours près. Vous la trouverez également sur Royal Airsoft pour 478 €. Alors, on est ici sur du GBBR. Donc, il va falloir mettre du gaz dans le chargeur, gaz et billes. Et bien sûr, on a un blowback, la culasse. La culasse, mais. Oh putain de crantage. La culasse bougera à chaque. Plus de réalisme. Par contre, malheureusement, je viens de le voir au niveau du crantage, ce n'est pas du RS. Par contre, beaucoup de pièces RS pourront être adaptées. La poignée, qui sera vraiment une poignée RS et pas AG, il n'y a pas de moteur dedans, vous voyez la taille. Vous pourrez changer les garde-mains, les garnitures, la crosse. Je pense qu'à peu près les sights, le canon, maintenant il dispose de canon azimut en acier et pas en aluminium. Les sights, il y a une grosse partie de la réplique qui peut être changée par des pièces RS. Voilà, je vous ferai une seconde vidéo où on parlera un petit peu plus dans le détail de ces répliques. Voilà. Donc au niveau customisation, vous voyez, vous êtes tranquille, quoi. Vous trouverez encore une fois un large choix de pièces sur le site Samoon. Pensez par contre qu'il y aura sûrement des frais de douane, hein, si vous commandez trop cher. Sur Samoon, WGC, Bunny Workshop, vous trouverez pas mal de pièces dessus. En tout cas, ce n'est pas mon premier GBBR, ni premier GHK. Il viendra tout simplement venir squatter un peu le placard avec son grand frère. Oui. Maintenant, j'ai à peu près 2 versions. Une très courte compacte et une taille médium. Voilà. Alors oui, c'est quand même du GHK malgré que ça soit monté par Hephaestus. Hein. Donc je rappelle, dernier petit rappel, GHK c'est bêtement externe, LCT, montage et GBBR. Voilà. J'ai encore été essoufflé de ce petit déballage express et c'est pas facile de le faire avec la caméra au-dessus.
Je reviens vers vous pour une autre vidéo plus en détail, hein, une fois que j'aurai essayé d'installer ça. Donc oui, je disais ça, c'est pour le bloc OPUP Maple Leaf, spécialement étudié pour les GHK plateforme AK. Voilà. Donc je disais, je reviens vers vous après pour une autre vidéo. On parlera plus poussé sur ça. Merci mesdames et messieurs.